À travers Mémoire de soi, je vous emmène d'abord dans un lieu qui est souvent méconnu du grand public et que j'ai découvert, qui est une magnanerie. Une magnanerie qui est un lieu d'élevage de vers à soie et qui est un personnage à part entière, je pense, de ce roman. Je vous emmène dans une magnanerie dans Mémoire de soi, de la Drôme du début du XXe siècle. Partons de 1936. Émile est un jeune homme qui se présente au service militaire, comme tout jeune homme à cette époque doit faire son service militaire, et découvre, lorsque un sergent lui lit son état civil, que son père n'est en réalité pas son père. Et c'est le point de départ qui va nous mener dans cette Drôme du XXe siècle et dans cet univers de la soie. On va reculer un petit peu. Entre 1914 et 1918, passer d'une période à l'autre et tirer le fil de la mécanique de l'oubli et qui est aussi la mécanique de l'effacement à laquelle j'ai voulu m'intéresser. La Drôme est le cœur familial de ma famille. Et je précise encore les choses, le monde de la magnanerie est l'origine de l'implantation de ma famille dans la Drôme. Mais la magnanerie dans ma famille, aujourd'hui, alors que la maison existe toujours, qu'elle n'est plus sous forme de magnanerie, la magnanerie, c'est un silence. C'est-à-dire qu'on n'en a jamais rien dit, et que ceux, aujourd'hui, comme moi, dans ma famille, qui sont là et qui vivent dans ces murs, ne savent rien de ce qu'était une magnanerie. Et moi, d'abord, le point de départ, et c'est pour ça aussi que je l'inscris dans cet univers-là, c'est la curiosité. Alors j'imagine que c'est le point de départ pour tout romancier. C'est que faire du silence, s'immiscer dans le silence. Et c'est pour ça que je suis parti de cet univers-là. Et il faut imaginer, et c'est pour ça que j'en fais un personnage, ce qu'est une magnanerie. Il faut imaginer des murs épais, il faut imaginer la chaleur, il faut imaginer qu'il fait sombre. C'est grouillant, les vers à soie qui grandissent, les chenilles, les papillons qui deviennent ensuite cocons. Et j'ai voulu, en tant que romancier, j'imagine que c'est par définition, encore une fois, la matière, donner vie à une magnanerie qu'on avait tue dans ma famille. Derrière le silence, il y a une magnanerie, il y a aussi tout le savoir-faire d'un magnanier, d'un éducateur de vers à soie, Baptistin, personnage de Baptistin, qui, à travers ses petits gestes, qui, à travers son savoir-faire, vit, existe, patiemment, lentement, tendrement aussi, à sa manière, cette manière qu'il a de faire vivre la magnanerie. Et autre personnage essentiel qui est celui de Suzanne, qui, à l'inverse, toujours dans l'univers du ver à soie, est celle qui tire le fil. Et de leur savoir-faire mêlé naît aussi une histoire d'amour que je vous laisse découvrir dans Mémoire de soie. Il y a l'effacement d'un lieu, il y a l'effacement d'un homme. C'est là que je pense que j'ai voulu aller plus loin, dépasser l'idée de l'effacement du lieu, en me disant, mais si on efface un lieu, pourquoi on n'effacerait pas un homme? Allons jusqu'au bout du raisonnement. Et je pense que c'est la mécanique d'effacement du lieu et de l'oubli d'un homme qui est l'essence de Mémoire de soi. Baptistin, personnage central, est un jeune homme qui fait 4 ans de guerre et qui, à l'issue de la guerre, la Première Guerre mondiale, meurt de la grippe espagnole 10 jours après. Ça pourrait être l'arrière-grand-père de tout le monde. Et comme on a effacé un lieu, on va effacer un homme d'une mémoire familiale. Et pourquoi fait-on ça? C'est cette mécanique-là qui m'a intéressé, et j'espère qu'il vous intéressera, ce fil-là aussi, encore une fois, qu'on tire, de savoir, mais tiens, pourquoi? Parce que la pression de la guerre, parce que la mémoire de la guerre est encore trop lourde et qu'on n'a pas le temps pour le malheur, parce que c'est trop pesant, donc on oublie, parce qu'il y a une pression du village, parce qu'il y a une pression sociale. Pourquoi est-ce qu'une femme, pourquoi est-ce qu'une mère, pourquoi est-ce qu'un frère décide d'effacer de la mémoire familiale un homme? C'est le point clé, à mon avis, de mémoire de soi. Sans doute faut-il y voir aussi ces mains qui viennent d'en haut, ces pressions venues d'en haut, la guerre, cette main invisible qu'est la guerre, et qui peut-être détruit tout sur son passage, y compris la mémoire. Peut-être faut-il y voir la trace de ces épidémies. Évidemment, la grippe espagnole, au moment où j'écrivais, je n'imaginais pas qu'on traverserait la crise qu'on traverse, mais imaginez comme nous, on ploie le genou aujourd'hui face à cette épidémie qu'on traverse. De la même manière, à l'époque,
cette affaire de résistance et la résistance que ça doit représenter. Peut-être que ça joue un rôle dans Mémoire de soi aussi et dans cette mécanique de l'oubli. L'écriture du roman est sûrement influencée par la carrière que j'ai eue et que j'ai encore en radio et en télé, à travers le rythme que j'essaye de traduire dans l'écriture. Où il y a, quand vous racontez une histoire, alors bien sûr, évidemment, il faut savoir raconter une histoire, et tout est une histoire, quel que soit le sujet qu'on aborde, il faut le prendre comme une histoire, c'est un point important. Et ensuite, il y a cette manière de le dire. Et peut-être que la manière dont ça a le plus influencé, c'est dans ma logique de rythme, et le rythme que j'essaye d'imprimer dans mon écriture.